Troisième jour du déroulement des épreuves orales et sportives du brevet d'études fondamentales BEF, tout se passe sans incident majeur dans les différents centres de la ville de N'Djamena. Depuis le lundi, nous avons commencé effectivement avec les épreuves physiques et orales. Et Dieu merci, tout se passe bien. La majorité des élèves, là, ils ont pratiquement passé l'oral. Ils sont au niveau du terrain, parce que c'est en même temps les oraux et les épreuves physiques. On n'a pas de difficultés majeures. Hein. Ceux qui finissent, ils sortent. Vous avez vu, on filtre aussi les entrées. Pour les candidats, les épreuves sont à leur portée. Le sujet était facile pour un élève de troisième, là, capable de faire ça. Parce qu'un élève, pour réussir, il doit étudier ses cahiers et il doit se mettre au travail. Toutes les épreuves sont bonnes. On a bien passé toutes les épreuves. On n'a pas eu de difficultés. Les matières sont à notre niveau. Ils sont abordables. Les examinateurs se disent réconfortés par la volonté et la détermination des candidats. Ça se passe bien du côté des élèves et des enseignants. On suit le programme, on pose seulement des questions pour voir est-ce qu'il y a le niveau ou pas. Le déroulement de BEF, cette année, les élèves sont à la hauteur de leur travail. Les épreuves orales et sportives du brevet d'études fondamentales BEF, section des JE 2021, prendront fin le vendredi prochain.